Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble donc comment créer une nouvelle ressource directement dans la BRNE barème mathématique cycle 4. Tout d'abord, vous devez sélectionner donc dans la partie créer, donc créer un module. Donc je choisis de créer un module. Et vous allez devoir donc donner un titre. Donc ici, le titre, je veux travailler sur la proportionnalité. Proportionnalité en troisième. Une petite description si vous le souhaitez. Donc là, ça sera effectue la lecture de la vidéo. Parce qu'il y aura une petite vidéo qu'on va intégrer. Et les exercices proposés. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer une image. Donc il suffit de cliquer sur choisir une image et d'aller chercher dans vos documents, donc votre image. Donc là, je vais aller sélectionner mon image. Donc là, vous avez ajouté votre image. Donc on peut rajouter donc un élément, un nouvel élément. Donc on sélectionne plus. Donc, parmi tous ces éléments, donc vous pouvez rajouter légender une image, zone d'intérêt, question à trous, question à choix multiples, sondage, question audio, réponse ouverte, grouper, relier ou ordonner des éléments, recomposer un texte, réponse illustrée, élément SCORM. Donc là, je vais ajouter une vidéo, donc vous avez la possibilité ici d'ajouter une vidéo. Donc vous pouvez nommer cette vidéo. Donc là, je vais nommer la vidéo donc par QCM, donc ça va être un QCM sur la proportionnalité. Et là, vous devez aller chercher votre lien d'intégration URL. Donc pour cela, j'ai choisi donc une vidéo. Donc sur YouTube. Donc je vais dans partager et je vais pouvoir copier donc ce lien. Donc je copie le lien de l'URL, je le colle, donc je fais OK. Donc toujours quand vous êtes sur votre élément, donc vous pouvez visionner. Alors pour visionner, il faut enregistrer votre ressource. Donc vous pouvez visionner, dupliquer, modifier ou supprimer votre grain ou votre ressource que vous avez ajoutée. Donc là, je vais visualiser pour voir s'il n'y a pas de problème d'intégration. Donc là, on voit la vidéo est intégrée, c'est le premier exercice, donc le module. Donc je peux fermer, donc ça a l'air de bien fonctionner. Je veux maintenant donc ajouter ici un exercice. Où les élèves vont avoir à déplacer des étiquettes dans un tableau. Donc pour cela, j'ajoute un nouvel élément. Donc je vais dans légender une image. Donc l'intituler, donc ça va être exercice tableau de proportionnalité. Donc là, positionner les étiquettes à l'emplacement approprié sur l'image, ça, je n'ai pas besoin de modifier. Et là, je vais aller chercher, donc ces types d'affichage glisser-déposer. Je vais chercher mon image que je souhaite donc intégrer. Ici, c'est un tableau de proportionnalité. Voilà, donc je fais OK. Donc j'ai mon tableau de proportionnalité qui est intégré. Et je vais pouvoir maintenant ajouter une étiquette. Vous voyez ici le tableau, il y a des zones blanches et je souhaite que les élèves viennent déplacer les étiquettes. Donc je vais pouvoir créer mes étiquettes. Donc ce sont les étiquettes réponse. Donc une première. Voilà. Et je vais pouvoir la déplacer au bon endroit. Donc j'en crée une suivante. Voilà. Je déplace de la même manière dans la zone appropriée. Ensuite, troisième réponse. Voilà.
Ensuite, quatrième réponse. Voilà. Et je peux, autrement, ça serait peut-être un petit peu simple, ajouter des étiquettes qui vont être des leurs, donc des étiquettes qui ne seront pas des bonnes réponses. Donc là, par exemple, je vais ajouter un premier leurre. Voilà. Une autre étiquette. Qui sera aussi un leurre. Donc on voit que, vous voyez, ici, si on essaie de mettre sur l'étiquette, elles sont déplacées vers le haut. Donc là, on laisse les étiquettes sur le haut de notre exercice. Donc là, je fais OK. Donc de la même manière, je n'oublie pas d'enregistrer. Donc là, je peux visualiser mon exercice et voir s'il fonctionne bien. Voilà, donc on a les différentes zones, la consigne, donc on peut faire apparaître et disparaître en cliquant sur les personnages, positionner les étiquettes à l'emplacement approprié. Donc là, l'élève va venir déplacer les étiquettes. Alors, je vais faire exprès de mettre des mauvaises étiquettes. Donc, je clique sur la petite flèche en bas à droite et là, il me dit réponse incorrecte et on a terminé le module. Donc là, sur cet exercice, il fonctionne bien. Donc là, j'ai rajouté une vidéo, une petite image légendée. On peut visualiser donc, le module dans l'ensemble. Donc voilà, on voit, on a bien les deux exercices. On peut modifier la police si on a des élèves dyslexiques, donc open dyslexique dans les exercices. Voilà, donc il a l'air de bien fonctionner. Donc vous pouvez aussi, dans ce cas-là, créer une session et le mettre à disposition de vos élèves afin qu'ils réalisent l'exercice. Voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai cette fois-ci donc comment construire un parcours complet qu'on pourra ensuite mettre à disposition des élèves.